Je m'adresse encore à Monsieur Félix. Tu as dit du haut de la tribune, tu as cherché à amadouer les Nations Unies pour retirer leurs troupes. Là, tu auras tapé à côté, Monsieur Félix. Mon frère, Tom Benganabango, on n'a pas besoin de s'agenouiller devant ces gens qui nous tuent. Tom Bengana, les Nations Unies, c'est tout ce qu'on doit faire. Ne parlez pas d'un retrait graduel de gens qui pillent nos ressources, de gens qui tuent et qui vont laisser des bâtards chez nous qui un jour vont encore enquiquiner les générations à venir parce qu'on aura du mal à pouvoir les détecter, à pouvoir les identifier. Bandeko, bana Congo, mbote mingi, bon après-midi. Na zongeli bino, mpo biloko na zalai kuluba, et si la quitte parce que Bakou d'appel et Tungi Sakingai, mouna ki na première partie. Téléphone d'Angaï est là qui et ça ne m'avait pas plu. Donc, Bolimbi Sangaï, ma coup d'appel Wana, très souvent c'est inespéré. Je ne suis pas dans un studio de télévision, dans un Ndako Nangaï. Alors, le téléphone est ouvert et à n'importe quel moment, un coup d'appel peut arriver. Donc, nous allons continuer Naloba contre. Moutou Pambawana, qui s'appelle Henri Magie, il croit que son nom impressionne ou peut impressionner les gens parce qu'il s'appelle Henri Magie. Mais sa magie n'a pas aidé le PPRD à bien gérer le Congo et à inculquer l'éthique professionnelle. Dans ma militant, dans ma membre, il a pas perdu. Sa magie n'a pas aidé. C'est peut-être une magie de vol, une magie de séduire les femmes, une magie de traîtrise. Tout celui qui osait respecter contre son dieu Hippolyte Kajambe et Kanambe devait être tué. Assassiné, sa magie l'aidait à flatter tout le monde, comme ils en ont l'habitude, au lieu de faire la promotion de la méritocratie. Batonio, son assigné Nabino, bon mona, bon revoir les sous-sous, intervention. Il y a un Ndekunabisoana. Si Azali réellement congolais, moi je ne sais pas, mais avec les noms Oyo, Ami Pessi, Soki, Sekofota, Sokinani, Walifeta, Walifetu, il me semble qu'il est de l'Équateur. Botala, 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 et puis Bino Mokobosa l'analyse, Yamaloba. Il y a un mendiant wana. C'est un mendiant. Ndenga na loba ki na eteni ya liboso. Nazali ko défendre Félix Tshilombo awate. Nazo ko mi atake na mutu wana. Mendenga na loba kanabana inanga mususu.
Si Félix est prêt à s'amender, Tokokinaye Elongo. Soki alingi mbongwana te, Tokokoba kaka kuatakeye jusqu'à ce que akokende. Mendenge na zokoloba, tozoko pesa ye chance, soki alingi a changé, mpe a changé na ndenge ya ko protéger intégrité territoriale, mettre fin à la guerre, protéger la population, sima aya ko tubela. Mais awa, nazali ko attaquer nyama wana ya PPRD, le chien qui aboie. Azali ko akize Félix na crime de génocide. Et puis, asengi na biso, toton de ça, pa boîte ya mail ya ce qui se pays, ce qui nini na ye, tenu par les Mindele. Parce que tout le monde en a noté, attends, Mindele moko, ou Azali traduit en justice. Dans le tribunal international, voilà. Sarkozy a aussi comme la vie sur Kadhafi. Ce pays est allé wapi. George Bush n'a pas panayé. N'a général Colin Powell n'a pas moussoussou. Ba aussi comme Saddam Hussein. Pour rien. Na bongo na bongo. Ces pays ezali wapi? Ari magi ezali wapi? Mais il faut yoka sonne Ari magi. Pendant plus de 18 ans, Tondie Hippolyte Kadjambere Kanambe n'a fait que tuer les gens. C'est lui d'abord qui mérite. Ce tribunal, on n'a même pas besoin d'un tribunal, on a besoin qu'on l'appréhende et qu'on le pend publiquement pour les crimes répertoriés qu'il a commis chez nous au pays. Lui, Paul Kagame, Museveni, ce sont des criminels. Surtout ton Dieu, Hippolyte Kadjambere Kanambe. Sur quelqu'un, je le répète, qui doit être appréhendé, qu'au jugé y était. Il doit passer par les armes comme on a fait avec l'ancien président romain Nicolae Ceaușescu. Ou, pour Amona, m'passi oyo bato abouma, Amona yango, il faut que Bouma yenenge babouma Samuel Canyon Do ya Liberia. Lui couper ses oreilles qui ressemblent aux oreilles d'un lapin, qu'on kataye la jambe naye, qu'on kata soka naye, les poignarder en public, wana, et qu'on pèse aye, laissons avant à Koufa. Et il n'y a pas que lui, et tous ses complices. Pourquoi yo Henri Magie? Tu n'appelles pas à l'arrestation de Hippolyte Kadjambere Kanambe. Olingi, ma boîte à lettres, il y a ce pays, et tonda, la mikanda ya ba Congolais. Tu penses qu'on a oublié ce que ton Dieu a fait? Ton Dieu anthropophage? Hippolyte Kadjambere Kanambe? Le faux Joseph Kabila. Tu penses que les Congolais souffrent de l'amnésie? C'est peut-être toi qui souffres de l'amnésie ou tu le fais intentionnellement. Mais on n'a pas oublié tous les crimes commis au Congo par Hippolyte Kadjambere Kanambe.
yako buma bato, yako yiba le crime économique, le viol yako bota la basi ya bato, humilier le Congo, il ne mérite qu'un seul sort, c'est être tué, égorgé. D'ailleurs, Azali musulman, chez le musulman, on égorge. Nous devons l'égorger comme on égorge les moutons pendant la tabaski. Donc, ne cherche pas seulement à te rabattre sur Félix Tshilombo. Oui, Asali Mabe, Kazoko Sala Mabe, mais compare Mabe Naye, na Mabe, il y a soi-disant président Nayo, toi qui es complice, en t'alliant aux étrangers, aux grandes dames de ton pays, aux hommes malades, malades mentales. Comme je le disais, Félix est devenu un monstre pour l'ancien régime, pour la cabale kabyliste et péperdienne. Et dans ma première partie, il y a de cela une heure quelques, je vous ai parlé d'un monstre. Je vous ai référé à un livre qui était publié en 1818 par une écrivaine qui s'appelle Mary Shelley, qui a écrit un livre intitulé Docteur Frankenstein. Malheureusement, à Congo, bien que Tokoumi Saka enseignement et église catholique, mais il y a beaucoup de livres qui devraient être recommandés, prescrits par le département de l'éducation pour la Kotang Sabana et partir à l'école secondaire, ti na université, pour Efongola Bango. Mayele. J'en ai parlé plusieurs fois et il y a beaucoup de livres. En parlant de la dictature, il faut tout enseigner bana, livre net, les animaux de la ferme. Écrit par un écrivain anglais, George Orwell. Et qu'on accepte une dictature, et qu'on accepte une démocratie, ça peut commencer à être enseigné même à partir de la troisième année des humanités, la série révisée, réduite, Yabana. Et il y a ce livre-ci, Docteur Victor Frankenstein. C'est un personnage d'un livre qui s'intitule comme ça, Frankenstein, Dr. Frankenstein, Victor Frankenstein, c'est de la fiction, mais écrit par cette femme qui s'appelle, ou qui s'appelle, les écrivains, les artistes ne m'aiment pas, Mary Shelley. Dr. Frankenstein a étudié les sciences les exactes, physique, a étudié alchimie, science, et dans ce laboratoire, combinant les matières naturelles, il est parvenu à produire un autre être humain, presque comme lui. Mais cet être humain s'est retourné contre lui, créateur de cette créature qui est devenue monstrueuse et qui avait mis en danger sa propre vie, lui le créateur, et la vie de sa famille. Etc. Cherchez à lire ce livre et enseigner ça aux enfants. C'est la situation dans laquelle nous nous retrouvons avec, pas nous, nous le peuple, mais le PPRD, Paul Kagame et les autres qui ont créé le monstre, Félix Antoine Tshilombo. Il est devenu un monstre créé par Dr. Victor Frankenstein. Alors le Dr. Victor Frankenstein
peut être comparé au PPRD et à Hippolyte Kajambere Kanambe, alias Joseph Kabila. Le monstre met en danger leur vie. Vous entendez ce que Numbi est en train de dire par-ci par-là. Akanisi, Walande Kwedeye. Félix, ce qui Numbi a zongé dans Mboka, Kangaye, Teba Jijeye, Babou Maye, parce qu'il a tué des gens. Il était l'armée armée des Hippolyte Kajambere Kanambe. Il a massacré nos frères de Bundu à Congo. Il a massacré mon frère Chebeya et Bazana. Il a massacré beaucoup de gens, comme vous le connaissez. Et il croit que, en dénonçant que Hippolyte Kajambere Kanambe n'est pas congolais, sa mère s'appelle Marceline Mokambougoudje, ceci, cela. Mais il n'y a rien de neuf qu'il dénonce, que nous n'avons pas dénoncé dans les écrits et dans les parlers. Il n'y a rien. Juste après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, nous avons tout dénoncé. Et c'est trouvable. Dans le net, partout. On en avait, il n'y a pas que moi, tout le monde, qui ont dénoncé. Donc lui, il veut venir dire quoi au peuple congolais? Lui, le malheureux là, John Numbi, en faux général, comme vous connaissez. Alors, c'est ce que les Congolais aiment comme les arrêts magiques. Ces gens qui nagent dans l'imposture pour gouverner, administrer, gérer le Congo, gérer tout pays. Kanambe, c'est un imposteur. Et la cohorte de Péperdiens qui s'appelle des professeurs d'université, des juristes, professeurs en droit, tous sont des facoles, des gens inutiles. Parce que, comme je l'ai toujours dit, nous n'allons pas seulement à l'école pour obtenir des diplômes, pour obtenir des grades. Nous y allons pour apprendre beaucoup plus que ça, l'éthique, le professionnalisme. Le patriotisme, le nationalisme, etc. C'est ce que nous allons apprendre. La gestion de la chose publique, de la chose commune, ou même de la chose privée. Nous allons donc à l'école pour apprendre les techniques modernes, etc. Ce n'est pas rentrer à la cité bardée de diplômes. On vient, on se dit... monsieur ceci, économiste, juriste, mais qu'est-ce que vous donnez à la société? Quitte ta vie, naître, grandir, cette société qui t'a amené jusqu'au firmament de ce que tu appelles les grandes études. Ceux qui sont allés apprendre à l'université dans tout le pays, en Belgique, en France, en Angleterre, partout, à l'Unikine, partout. Donc, ils sont allés à l'université pour apprendre à voler, à trahir leur pays, à trahir leurs frères. Ils sont allés apprendre l'égoïsme. Ils sont allés apprendre l'incompétence. Ils sont allés apprendre la traîtrise, la complicité avec l'étranger pour agenouiller leur propre pays. C'est ça les valeurs que nous sommes allés apprendre à l'école. Si c'est cela qui est le cas, alors les études ne nous auront servi à rien. Et que nous-mêmes, nous ne valons absolument rien et rien. Et quand vous suivez les petits parlers de ce Harry Magie, vous décelez la pauvreté dans son argumentaire. Il croit, en faisant face à Félix Tshisekedi, et qu'on sale, ça y est, à la vedette. C'est en retard, messieurs. C'est tellement en retard. Vous lui aviez confié le pouvoir. Vous cherchez à le manipuler comme cette créature du docteur Victor Frankenstein. C'est retourné contre vous. N'angalez-le à Zokolo, parce que Karim Minien est un botolier.
Naba mususu ba privilège nyoso. Ça les sousté. Les personnages de Dr. Victor Frankenstein doivent vous dire tout. Surtout un scientiste fou. C'est comme Kanambe, un politicien fou. Il a créé le monstre. Et nous souhaitons que ce monstre qui son créateur ou ses créateurs alors, pour terminer cette partie, je m'adresse encore à Monsieur Félix. Tu as dit du haut de la tribune, tu as cherché à amadouer les Nations Unies pour retirer leurs troupes. Là, tu auras tapé à côté, Monsieur Félix. Mon frère, toi, Bengana Bango, on n'a pas besoin de s'agenouiller devant ces gens qui nous tue. Toi, Bengana, les Nations Unies, c'est tout ce qu'on doit faire. Ne parlez pas d'un retrait graduel de gens qui pillent nos ressources, de gens qui tuent et qui vont laisser des bâtards chez nous qui un jour vont encore enquiquiner les générations à venir parce qu'on aura du mal à pouvoir les détecter, à pouvoir les identifier. Ceci est un man de moi. Vib, je m'adore Vib Kilkilele pour le Congo de Lumumba, de Kasavubu, de Kimbangu, de Kimpavita, de tous les martyrs congolais et de tous les Congolais qui luttent pour que la nation congolaise soit. Tenez bon, le pays est notre. Société, ba société belle, boyoka lesate, tout comme on a ba foyer, na ba foyer nene mongo, papa na maman, dialogue lesate, et comme à lobby, moi na bimi fase, a kimindaku, moi na komi na balabala, moi na bon la na wenze, pour nini, dialogue lesate na ba foyer. Au moni, le lo mindele, ba sangana ki, ba sali héros, bon, on komi makasi, pour na dialogue, dialogue de sali, dollar, le lo de salamakasi. Dialogue des salis, les livres sterling et à la matasse. Il y a un moment où dialogue est nécessaire, na vie, na biso. Dans tout ça, dialogue est unitaire. Tcha tchiki tcha, Congo dialogue, Congo dialogue, Congo dialogue. Tous abonnés, ils sont sur Congo dialogue, c'est YouTube.